Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Progeniteur 08 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, encore une fois. Comment ajouter des polices d'écriture à Sony Vegas Pro 11? Alors, pour ça, c'est simple. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur le site www.dafont.com, je mettrai un lien dans la description. Donc, quand vous y êtes, vous cliquez ici sur Top. Donc après vous choisissez la police que vous voulez, vous cliquez sur télécharger. Donc moi j'en ai déjà téléchargé une et donc j'ai pas besoin de la télécharger en fait. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez dessus et vous faites extraire ici. Enfin vous l'extrayez là où vous voulez et normalement elle se trouve dans vos documents. Une fois qu'elle est extraite, elle se trouvera normalement dans un document. Dans le document, vous aurez votre fichier. Vous cliquez sur le fichier et ensuite, vous voyez le fichier, son écriture, comment elle sera. Donc la mienne s'appelle Zombifiod. Donc voilà. Ensuite, vous cliquez sur Installer et elle s'installe dans votre ordinateur. Ensuite, vous ouvrez Sony Vegas Pro 11 et je vais vous montrer que je l'ai maintenant. Alors, vous faites insérer un média texte, comme vous voulez, texte modèle. Et voilà, j'ai ma nouvelle police, Zombifiod. Donc, vous voyez bien qu'elle est comme quand je l'ai téléchargée en fait. Donc, elle est nickel. Donc, vous avez votre police d'écriture. Si vous n'avez pas très bien compris comment on fait, je vais quand même vous montrer en téléchargeant une nouvelle. Donc, je vais diminuer Fraps et ça. Donc, je retourne sur Google Chrome. Je vais aller dans l'historique. Dafont. Je vais télécharger Sketch Nothing par exemple, donc télécharger. Donc le téléchargement s'est lancé. Vous cliquez. Alors voilà, il se trouve ici. Vous faites un copier. Non, vous faites extraire dans le dossier spécifié. Vous mettez dans le bureau, enfin vous le mettez où vous voulez. Vous allez dans vos documents et moi je l'ai mis dans le bureau, donc je vais dans le bureau. Sketch Nothing, donc il est là. Donc voilà l'écriture. Vous cliquez sur installer. Ça c'est installé. Voilà. Vous allez dans Sony Vegas. J'insère un nouveau média texte pour vous montrer. Donc je sais plus comment il s'appelle. Il doit pas être bien loin. Non, je sais plus comment il s'appelle. Oui, enfin bref, normalement il est là-dedans. Donc voilà, c'était un court tuto encore une fois. Et eh bien, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, faites tourner la vidéo à vos amis, parlez-en, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires, tout ce que vous pouvez. Et je vous dis salut et à très bientôt. Bye. Alors tout le monde, j'ai fait un... j'ai recherché, puis j'ai retrouvé, donc voilà. J'ai retrouvé mon Sketch Nothing. Donc il est là. Bon, voilà, cette fois je vous dis vraiment au revoir, et à très bientôt, et bye, et bah salut.